Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment accompagner une valse. C'est une vidéo qui va être assez progressive, on va commencer plutôt simple et après je vais monter assez rapidement en niveau, comme ça tout le monde pourra s'y retrouver. Le type d'accompagnement que je vais viser au final, c'est ça. Ce type d'accompagnement, on va voir comment faire ça. Alors, comment accompagner une valse ? L'accompagnement de base, donc c'est du 3 temps une valse, hein. Ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ce qu'on fait très souvent c'est poum, tchac, tchac, poum, tchac, tchac, c'est un peu le son standard des valses. Il y a plein de petites nuances qu'on peut amener, plein de petites variations, mais en général ce qu'on va faire c'est jouer plutôt les sons graves sur le premier temps, 1, et ensuite les sons aigus, 2, 3. On va prendre cet accord de la mineur pour commencer. Alors, un accord mineur, par défaut, il est souvent mineur 6 en jazz manouche. Les valses, c'est pas du jazz manouche. On joue souvent des valses en jazz manouche. Mais c'est pas la même chose, et il vaut mieux, pour sonner plus typique, il vaut mieux jouer un accord mineur sans enrichissement qu'un accord mineur 6. Donc, préférez les accords mineurs simples. Vous pouvez le faire avec un barré, ce sera un peu plus fatigant si vous faites ça. Donc moi je préfère cette position avec le pouce, mais ça marche aussi. Donc, un type d'accompagnement, c'est le suivant. Je joue une seule note dans les graves, donc le La que je joue avec le pouce, là. Et ensuite, je fais ça sur le deuxième et troisième temps. Donc je joue les quatre cordes du milieu de la guitare à peu près, et je relâche tout de suite la pression à la main gauche pour avoir un son piqué, un son staccato. Un son tenu sur le premier temps, et ensuite 2 et 3 piqués. 1, 2, 3, 1, 2, 3, boum, tchac, tchac, boum, tchac, tchac. Sur le premier temps, je peux aussi jouer plusieurs cordes, 2 ou 3 cordes, dans les graves. Il y a d'autres variations, on peut tenir les sons de temps en temps. Je ne vais pas parler de trop ça, on va rester sur quelque chose d'assez simple, comme ça. Déjà, rien qu'avec ça, essayez d'avoir un son, donc de jouer bien régulièrement, hein, rythmiquement, donc tchic tchic, de ne pas accélérer, pas ralentir, et d'avoir un son qui est suffisamment propre pour qu'on entende bien l'harmonie, on entende bien les accords, et que ce soit assez élégant. Si vous jouez comme ça... Voilà, je joue tous les temps pareil, il y a des cordes qui frisent, c'est pas élégant. Il faut que ce soit élégant. Et l'élégance, quand on joue des valses, c'est très important. Donc voilà. Faites déjà juste tourner ça sur un seul accord. Voilà, attaquez pas hyper fort. On n'est pas en train de faire la pompe sur un morceau à 220 BPM pour que ça envoie. C'est pas ça. On est en train d'accompagner une valse. Maintenant, on va voir. Alors, on va accompagner... La partida, c'est une valse qui est très souvent jouée en jazz manouche, par les musiciens de jazz manouche. C'est un morceau qui est simple à accompagner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accords. Alors, c'est un morceau qui contient 5 accords différents uniquement. Un La mineur, un La mineur, un Si7, qu'on va jouer comme ça, un Mi7. Moi j'aime bien le jouer uniquement avec ces 3 notes. Le La mineur, ensuite on a un La7. Un Ré mineur, et c'est tout, puisque ça fait 5 accords. Ce qu'on peut déjà faire, c'est juste accompagner sur les 4 premiers accords de la grille, enfin les 8 premières mesures. Donc ça va faire La mineur, pendant 2 mesures, ensuite un Si7, un Mi7, et un La mineur. Ça, vous pouvez le faire tourner en boucle. La mineur, Si7, Mi7, La mineur. C'est une très belle cadence qu'on retrouve souvent dans les valses. Donc voilà, vous pouvez bosser ça avec une seule note dans les graves à chaque fois ou avec plusieurs cordes. Hein. Toujours avec cette élégance qui est le maître mot dans les valses. Maintenant, donc vous avez vu qu'on n'enrichit pas beaucoup les accords, on va pas faire un accompagnement avec des accords mineurs 6, 9, machette et tout ça. Le Ré mineur, je joue Ré mineur, pas Ré mineur 6.
Ça, c'est important. Surtout si vous faites beaucoup de jazz manouche, attention, les accords mineurs 6 qu'on met un peu de partout en jazz manouche, là, c'est pas la même chose. Donc, on va faire ça, et harmoniquement, c'est assez simple, et on va garder les mêmes accords. Mais, donc ça, c'est l'accompagnement, on va dire, de base, qui sonne déjà très bien. Et c'est super si vous savez faire ça. Vous pouvez le faire sur la grille entière de la partita, et vous pouvez vous entraîner avec mon playback, hein, où il y a ce type d'accompagnement assez neutre, on va dire. Mais ça peut être bien de varier un peu nos accompagnements en créant des mélodies avec les basses qu'on joue sur les premiers temps de chaque mesure. Par exemple. Donc là, je viens de faire. Ça crée une petite mélodie dans les graves, donc qui ne gêne pas trop le soliste a priori, ou celui qui fait le thème. Et ces mélodies, je vais les jouer de manière à ce qu'elle fasse entendre l'harmonie. Donc ça veut dire que je vais piocher dans les notes qui sont dans les accords que je joue. Sur le La mineur, les notes que je peux jouer dans les graves, ce sont les notes de l'accord de La mineur, donc le La, le Do et le Mi. Je peux aussi chercher un peu plus aigu, on va prendre les trois cordes graves. Il y a aussi le La ici. Mais je peux aussi jouer le Mi grave. La corde de Mi à vide, c'est dedans. Pour chacune de ces notes, je vais essayer de trouver une position d'accord qui va bien. Alors, il y en a beaucoup, comme le si je joue le La dans les graves, ou le Mi, ou le La dans les médiums, j'ai pas à changer de position. Mais si je veux jouer ce Do là, ça va commencer à être un peu compliqué. Donc c'est bien d'avoir d'autres positions d'accord qui me permettent de faire ça facilement. Ici j'en ai une. C'est uniquement trois notes, le Do dans les graves et le La Mi. Ça c'est un La mineur. Renversé sur sa tierce, hein, qui me permettent de passer du La au Do. Je viens de faire La, Do, Mi, La. Donc sur chacun des accords, pour l'instant on n'a que trois accords différents, on va voir quels sont où on va pouvoir trouver ces notes-là, et quelles sont les positions d'accords qui vont bien avec chacune des basses qu'on peut jouer. Donc pour le La mineur, c'est bon, on les a vus. Pour le 6-7, on peut faire un 6-7 comme ça. On peut faire le Ré dièse, la tierce de cet accord-là, en gardant le même accord dans les aigus, ou en jouant une position d'accord diminuée, ça marche très bien. On peut aussi faire la quinte ici. Et puis ça fait déjà pas mal. Après, on peut, je peux aussi faire la septième. Déjà rien qu'avec ça. Et il y a celui-là aussi. Si je joue la septième dans les graves, ça me fait un 6-7 basse là, et donc ça se joue comme ça, cet accord là, cet accord là, cet accord là, cet accord là. Ça nous fait déjà pas mal d'accords pour un 6-7. Pour le mi-7, alors moi je le joue, j'aime bien le jouer avec trois sons comme ça. Je peux renverser sur sa quinte dans les graves, je peux renverser sur sa septième, donc je vais jouer cette position d'accord, qui est vraiment très belle d'ailleurs. Et il y a même un sol dièse que je peux jouer dans les graves. Donc c'est avec cette position d'accord que je vais la chercher. Sol dièse, si, mi, ré. Ça fait déjà pas mal de positions d'accord. Pour le sol dièse dans les aigus, la tierce du mi-7, je ne change pas de position d'accord. Ah si, c'est celle-là. Ok, donc on a la mineur 6-7, mi-7. Et maintenant, on n'a qu'à voir ça pour le La7 et le Ré mineur. Donc les, on aura les 5 accords de la grille. Donc La7, on a ici. Do dièse, on peut le jouer comme ça. Donc la tierce du La7. On peut aussi utiliser cette position d'accord. Vous remarquez que ça, c'est tout exactement pareil que le Si7, hein, qu'on a déjà vu. On peut jouer ça aussi pour le La7. Donc là, je renverse sur la quinte, le Mi. Mais je peux aussi utiliser d'ailleurs la même position que pour la tierce. C'est une position d'accord diminuée, qui marche très bien. Donc ça nous fait ça, ça. Puis si vraiment vous le voulez, il y a celle-ci, la même que pour le 6-7 basse là, sauf que là c'est un La7 basse sol, qui marche bien. Et pour le Ré mineur, on a le Ré, on a le Fa. Moi, j'aime bien la jouer comme ça.
joue comme ça cet accord, c'est un ré basse fa. On a le la dans les graves. Et puis ça fait déjà pas mal. 1, 2, 3, 4. Allez, celui-là c'est bonus. C'est un ré basse fa. Et du coup ça nous oblige de faire un démanché. Voilà, ça nous fait pas mal d'accords. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est sur chaque accord, entraînez-vous à rester longtemps dessus et juste travailler vos positions d'accord avec les basses 6-7. Etc. Vous faites ça pour les 5 accords de la partita. Une fois que vous êtes bien à l'aise avec ça, vous pouvez vous entraîner à accompagner assez lentement en suivant la grille, donc en respectant le nombre de mesures du morceau que vous accompagnez. Donc là, en l'occurrence, c'est la partita. C'est un morceau d'ailleurs sur lequel j'ai fait un cours vidéo complet qui est disponible sur mon site Guitare Improvisation. Et ce que j'explique là, c'est quelque chose que j'explique pas dans la vidéo, dans le cours complet, j'explique plein d'autres choses, donc comment jouer le thème en détail, comment varier le thème, comment le personnaliser, comment analyser la grille, comment accompagner, mais dans la vidéo j'explique comment accompagner en haut du manche, comme ça. Et j'explique aussi comment improviser, comment bosser les arpèges sur ce morceau-là. Dans cette vidéo, c'est une vidéo complémentaire, cette vidéo-là, parce que je vois comment accompagner ici, c'est quelque chose d'assez simple, c'est un peu moins typique dans les valses, on aime bien accompagner par là quand on accompagne des valses, mais c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des cordes à vide à gérer en fait, et alors que là, il suffit de relâcher la pression à la main gauche, comme on touche toutes les cordes, ça étouffe toutes les cordes quand on relâche les doigts, donc il n'y a pas de cordes à vide qui résonnent et qui nous gênent. Donc, une fois qu'on sait faire ça, on peut suivre la grille, deux mesures de la mineure, 6-7, deux mesures, mi-7, la mineure, la-7, ré mineur, la mineure, mi-7, ré mineur. Lorsque vous finissez sur l'accord de résolution, le La mineur à la fin d'un A par exemple, privilégiez plutôt la note de La, sinon ça va faire une cadence qui n'est pas extrêmement résolutive. C'est préférable de ne pas renverser l'accord lorsque on conclut le morceau. Voilà, donc là je viens de le faire sur la grille lentement, enfin en respectant la carrure, hein, le nombre de mesures pour chaque accord. Ça c'est quelque chose, il faut passer du temps à faire ça pour, en fait, lorsque après vous accompagnez à un tempo peut-être plus élevé, vous avez plein de positions d'accord dans votre besace, on va dire, que vous êtes capable de jouer, et comme ça, ça vous permet de choisir les mélodies de basse que vous allez faire et d'arriver avec le bon doigt pour plaquer le bon accord derrière. Par exemple, cet accord demi-7. Cet accord, je sais avec quel doigt je peux arriver pour plaquer la... J'anticipe en fait la position d'accord que je vais jouer par rapport à la basse sur laquelle j'arrive. Donc ça c'est très important, ça demande pas mal de temps, mais ça vous permet du coup de faire des belles mélodies avec vos basses lorsque vous accompagnez les valses. Et ça c'est quelque chose de vraiment très élégant, et qu'on aime bien et qui est typique du style. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter des petits effets ou des petites mélodies qui vous permettent d'arriver sur les basses. Par exemple, là j'ai fait une petite mélodie qui m'amène vers cette note là du 6-7. Donc ça c'est des choses, ça demande encore un peu plus de boulot, c'est des choses qui amènent encore plus de charme aux accompagnements et qui sonnent vraiment bien lorsqu'on est seul à accompagner une valse. S'il y a un contrebassiste, peut-être qu'on va en faire un petit peu moins, donc faut s'adapter en fonction des musiciens avec qui on joue. Je fais ça sur une grille entière de la partita. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you.
cette vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair sur comment arriver à faire ce genre d'accompagnement. Dans le principe, c'est pas très compliqué, même si ça demande quand même pas mal de boulot, de bosser beaucoup de positions d'accord et d'arriver à les enchaîner avec un son à peu près propre. Et en plus de ça, quand on accompagne avec la main qui fait pas mal d'allers-retours et qui va assez loin des cordes, d'arriver à attraper les bonnes cordes et de bien viser, tout ça, c'est pas évident. Je vous mettrai dans le lien dans la description de cette vidéo pas mal de liens de différents musiciens qui sont spécialistes dans ce style de musique. Vous pourrez aussi aller écouter mon CD, le CD de mon projet Paris Music Taste, qui est constitué presque exclusivement de valse. Et aussi, aller voir cette vidéo, le cours complet sur la partita.